Yo. Now listen, yo. What you waiting for is the noisy drive. We're back. Huitième manche. Et dire que j'avais abandonné tout espoir de victoire. Le suspense est insoutenable ce soir. C'est fort, une attaque à l'aveugle doublée d'un accroche caniveau. Même ce fameux Godhand n'a pas dû voir ça très souvent dans sa carrière. Fujiwara a bel et bien réussi à déjouer ses prévisions. Ce que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est pourquoi il n'a pas utilisé cette technique avant. S'il savait que c'était jouable, il aurait déjà pu le faire dans les manches précédentes. Ça lui aurait évité de se faire prendre au piège d'une course à rallonge. Tu te trompes. Même s'il avait voulu se servir des caniveaux avant, c'est son adversaire qui donnait le ton. Il ne lui en aurait pas laissé l'occasion. C'est lui qui avait le contrôle. Fujiwara n'avait pas l'initiative. Il n'a pu attaquer qu'après avoir cramé son grip et réalisé qu'il était sûr de perdre s'il ne tentait rien. Jusque-là, il était comme paralysé. C'est quand il a vu la défaite en face qu'il a pu se libérer de ses chaînes. Oui, je comprends. Cela dit, c'est encore loin d'être joué. Il n'affronte pas un adversaire naïf au point de se faire avoir deux fois par le même stratagème. C'est pas bon, tout ça. Hein? Plus ça dure, moins il a de chance. Yo est forcément en dessous niveau endurance. Mais Monsieur Yoshima ne peut pas perdre. Ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'il est perfectionniste. Il va essayer de gagner avec classe et intelligence comme il l'avait prévu. Il n'y a plus qu'à espérer que l'échec qu'il vient de subir ne lui aura pas trop fait perdre sa concentration. Chamboulé par la manche précédente. Je vais tout faire pour le larguer en profitant de ma position de tête. Ce n'est pas très glorieux, mais je n'ai pas le choix. Si je traîne, la fatigue va saper ma concentration. Il faut qu'il voie au moins une manche où j'aurai attaqué avec mes trajectoires records. On en est à combien de manches déjà? 7. Non, ça doit faire 8. Quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas. Si c'est dur pour moi, lui aussi doit en baver. C'est obligé.
course est rude et elle n'en finit plus. Je commence à m'inquiéter pour la mécanique de la 86. C'est violent pour une voiture qui n'est plus de première jeunesse. Il ne faut pas te tracasser pour ça. Je t'assure qu'elle tiendra le choc. Sa maintenance exige peut-être beaucoup de temps et d'argent, mais tout roule. Elle ne bougera pas d'un poil même après 10 ou 20 descentes. Je te fais confiance. Le seul truc qui m'inquiète, c'est de le voir mettre à profit le bas-côté comme il l'a fait. C'est pas comme à Akina, ici les suspensions prennent toute la charge. J'ai peur que ça se termine mal s'il abuse de cette technique. Cela dit, je suis persuadé que Fujiwara en a conscience. Oui, peut-être. Mais s'il n'a que cette solution pour arracher la victoire... Ce duel accroché va se jouer sur un coup de poker. Eh ben... Ah, je suis convaincu, elle en a sous le capot, il n'y a pas à dire. C'est pas une légende, cette 4 roues motrices allie puissance et stabilité. Mais ça doit être perturbant quand on a l'habitude d'une 86. C'est autre chose, je comprends que Takumi est un peu le cafard. Je te le répète, tu es bien naïf d'interpréter ça comme un léger cafard. C'est beaucoup plus profond que ça. Pour Takumi, le col d'Akina et la 86 sont presque ses seules références. Il voit tout à travers ce spectre. C'était idéal pour lui apporter des rudiments solides niveau technique. Là-dessus, on est d'accord. Oui, ça a marché à merveille. Il a intégré en moins d'un an ce qu'un autre n'aurait compris qu'au bout de 5 ans. On a beaucoup de mal à le croire. En effet, oui. Il a fait énormément de progrès et au point où il en est, la prochaine étape consiste à étoffer son éventail de techniques. Il maîtrise le B.A.B.A. mais il doit parfaire cette base. Ce qu'il fait, il le fait bien, mais sa palette d'attaque et de contre-attaque est encore trop limitée. Il doit élargir son champ de vision. Il n'y a rien de fixe ni d'absolu dans une course. Mm-hmm. Évidemment, d'un point de vue scientifique, il n'existe qu'une seule ligne idéale pour une trajectoire donnée. Mais en réalité, il en existe des milliers. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Ah, oui, bien sûr. Si je devais décrire le dogfight en 2 mots, je dirais que c'est un duel où les concurrents confrontent leurs trajectoires. En sapant celle de l'adversaire tout en restant fidèle aux siennes, il est impossible de se faire doubler, c'est le succès assuré. Oui, ça me semble cohérent. Mais être un vrai pilote, c'est savoir maîtriser toutes les trajectoires. C'est pour cette simple et bonne raison que j'ai demandé à Takumi de suivre un programme qui va lui permettre d'augmenter ses capacités d'adaptation. Ça avance petit à petit, mais les résultats sont au rendez-vous. Il n'a plus rien à voir avec le Takumi d'autrefois. Petit à petit, chez Takumi, ça veut dire progresser à une vitesse effrayante. On peut dire ça. Il n'empêche... Le chemin est encore bien long. C'est terrible. Je ressens quelque chose de différent dans cette 8e manche. Habituellement, je ne m'attache pas à mes trajectoires quand je cours sur route. Je ne pense qu'à prendre du plaisir à conduire en utilisant à fond le potentiel de mes pneus. En m'entraînant au pilotage à une main, je me suis rendu compte que bien utiliser ces pneus permettait de ne pas trop perdre de temps, quelle que soit la trajectoire. En pensant de cette manière, on en arrive inéluctablement à trouver les trajectoires où les pneus travaillent le mieux. C'est sur cette philosophie que reposent mes temps records. Pour moi, les trajectoires ne sont pas un objectif. Elles ne sont ni plus ni moins qu'un résultat. Wow, j'ai du mal à en croire, messieurs. Pour être rapide dans l'école, il faut pouvoir se lancer sans hésitation dans les virages. Une connaissance détaillée du parcours est donc un élément déterminant pour l'issue de la course. Ce n'est aucunement le fruit du hasard, si la Project D tient tant aux essais à l'extérieur. Je pense que c'est essentiel pour signer de belles performances sur route. Mais si on suit cette théorie, un pilote autochtone qui a longtemps couru sur son parcours est toujours avantagé? Effectivement. Et c'est d'autant plus vrai dans une course qui voit s'affronter 2 pilotes qui brillent par leur technique. Celui qui connaît le parcours par cœur a toujours une corde de plus à son arc. Mais alors, comment ça va finir? Ça va se jouer à l'usure. Celui qui ne pourra plus résister perdra cette course. Il s'éloigne là.
Pourquoi? Comment il crée l'écart? Où il fait la différence? L'arrivée approche. Je vais me faire griller. L'arrivée est tout près. Si je parviens à conserver cet écart... Merde! Je me suis déconcentré. Encore un petit effort. Il faut que je réagisse. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le rattraper. Il a mal contrôlé sa vitesse en prenant le bas-côté. Mes suspensions ne répondent plus. Il n'y a rien à faire. J'ai perdu. C'est vraiment terrible de perdre de cette manière. J'ai honte, tu peux me croire. Je ne me cherche pas d'excuses, mais je crois que c'est cette récente vague de chaleur qui m'a mis dedans. Je n'avais plus trop d'appétit ces derniers jours et je me sentais fatigué. Je n'étais pas en condition pour une course aussi longue. J'ai failli vomir au volant, tu te rends compte? Je n'arrive pas à y croire, c'est tellement risible. Pourquoi tu n'as pas poussé jusqu'à l'arrivée en vomissant? Tu avais fait le plus dur. Tu avais presque atteint la fin du parcours. Ça aurait pas été très glorieux comme finish. Et puis, de toute façon, j'avais perdu ma concentration. La fatigue m'a ébranlé comme une brèche dans une digue. Je n'y étais plus du tout. C'était si terrible que ça, Yo? Je n'étais pas parti dans l'idée que la course durerait aussi longtemps. Je pensais que l'affaire serait finie à la 7e, mais c'était la manche de trop. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. L'homme qu'on a surnommé God Arm n'est ni plus ni moins qu'un vieux quadra. Ça ne me dit rien qui vaille, tout ça. Il faudra contrôler l'alignement une fois de retour à Gunma. Il va pouvoir rentrer avec? Il ne devrait pas y avoir de problème en ne roulant pas trop vite. Je suis vraiment désolé, les gars. Pas la peine de déprimer. Ta voiture sera vite réparée. C'est sûr. Et puis tu n'as vraiment rien à te reprocher. C'est moi qui t'ai conseillé de te servir des caniveaux. Je connaissais les risques. Je suis sûr que dans le fond, tu penses avoir perdu niveau technique de conduite. Mais au final, c'est toi le gagnant et c'est ça qui compte. J'imagine que tu as raison. Ouais. Mais bon... Tu as énormément appris aujourd'hui. L'élément clé de cette course, c'était les trajectoires. Je pense que ce duel t'aura prouvé qu'il y a tout un panel d'options. N'oublie pas tout ce que tu as vécu ce soir. Nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Ça vaut aussi bien pour toi que pour l'ensemble de la Project D. Tu as gagné le droit d'aller te reposer. Vu l'état de la 86, Keisuke sera le seul à faire un contre-la-montre en montée. Tu es dispensé. Ok, ça roule. Je compte sur toi, Keisuke. Défonce-toi et bats-moi ce record de vitesse. Je vais tout donner. C'est quand même dingue. Fujiwara a vraiment une chance folle. C'est quasi systématique, ça déjoue toutes les probabilités. Que ce soit contre Tomoyuki Tachi, ou dans la course de ce soir, il a fini par obtenir la victoire d'une façon presque miraculeuse. Ce type est mystérieux. C'est à se demander s'il n'a pas reçu un don à la naissance. Come on, come on, come on.
Alors, ça va mieux? Ah ouais, ça va mieux, merci. Qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Tu m'as l'air tout sourire. Je l'avoue, c'est vrai. Même si c'est triste pour ce petit gars de Gunma, ça ne me plaît bien de te dire qu'il ne battra pas mon record avec sa voiture. J'avais utilisé un vrai petit bolide digne d'être aligné en course pro pour l'établir. Je pense que je ne suis pas prêt d'être détrôné. Tu conviendras que c'est une pratique éminemment déloyale. Ce serait considéré comme une infraction au règlement s'il y avait des règles en street racing. On se console comme on peut, Yo. On a perdu nos courses. Ça nous permet quand même de sauver la face au final. Et le pilote de la 86? S'il n'avait pas abîmé sa voiture et qu'il avait pu s'aligner sur le contre-la-montre? S'il avait pris le départ, il aurait peut-être battu mon record de descente. Eh oh, tu serais pas en train de nous faire une crise de fausse modestie, là? Tu crois franchement que le record que tu établis avec ta S2000 aurait été battu par une 86? Il ne faut pas le sous-estimer. Pour ce qui est de la descente, ce garçon est une valeur sûre de la nouvelle génération. Sa vitesse et sa capacité de concentration ont dépassé de très loin tout ce que j'attendais. Pendant un instant, il a même réussi à me faire prendre le volant à deux mains. Oh! Alors ça, c'est un signe. Je veux bien croire qu'il soit aussi doué que tu le dis. Oui, un tel degré de perfection à son âge, ce n'est pas courant. C'est même effrayant. Ça dit quoi alors? Toujours en dessous. Oh, il a pourtant amélioré son propre temps sur les deuxième et troisième tours. Il s'est arraché. Encore raté. Il est temps d'aller informer Monsieur Todo du résultat de la course. Je suis tout excité par ce bras de fer. Tu sais, ça me ferait vraiment plaisir de courir contre ce gars. C'est vraiment pas de bol. Ça arrive, c'est comme ça. Ça n'a pas suffi, mais tu as très bien couru. Je peux me permettre une remarque? Un pilote de ta trempe n'est pas fait pour se cantonner éternellement dans ce milieu. J'ai des contacts qui ont le bras long. Je pourrais t'introduire dans une équipe pro si jamais ça t'intéresse. Votre proposition me fait plaisir. Mais j'ai encore énormément de choses à accomplir en street racing. Je crois que c'est un peu trop tôt. Comme tu voudras. Je n'insiste pas. Tu m'as l'air décidé. À la revoyure. On n'est pas encore au point. Il y a toujours plus fort que soi. Je préfère te le dire tout de suite, mon style de conduite est très personnel. J'ai élaboré cette technique moi-même et elle sort de l'ordinaire. Je ne suis pas certain qu'une démonstration puisse servir à un pilote de ton envergure. Godhand est bien sympa de montrer sa technique à son jeune adversaire. Surtout qu'il ne s'est pas fait prier, il a accepté de bon cœur. Je suis content pour lui, mais j'aurais presque aimé monter à la place de Fujiwara. Bon, tu veux qu'on décolle? S'il vous plaît, ouais. C'est une occasion en or qui s'offre à lui. Je ne pense pas qu'il aura cette chance deux fois dans sa carrière. Il va pouvoir observer de près la technique de cette pointure qu'est Toshiya Yoshima. Ouais. Ces deux pilotes ont beaucoup de choses en commun. L'impact de cette virée va être énorme pour Fujiwara. Ce qui est impressionnant dans la conduite à une main, ce n'est pas la tenue du volant. C'est ce qui permet d'en arriver à ça, qu'il faut scruter avec attention. Fujiwara. Tu le sais, le combat de la D continue. Grave bien ça dans ta mémoire, pour des courses encore plus difficiles. Tu dois assimiler tout ce que tu ne sais pas encore, en vue du jour où tu pourras t'en resservir. Toujours les mêmes têtes ici. Ah, décidément, je crois que vous ne verrez jamais l'ombre d'une femme, tous les trois. Oh non, pitié, ne nous dites pas ça, patron.
Je ne comprends pas comment vous vous débrouillez. Moi, quand j'étais encore jeune et beau, j'avais toujours une ou deux copines avec qui sortir. Peut-être que l'un d'entre nous a une aura qui a tendance à repousser les femmes, allez savoir. C'est bien possible. Et pourquoi est-ce que vous me regardez tous comme ça? Takumi! Alors, il paraît que tu as encore gagné. Non. Enfin, comment dire, on a terminé, Execo. Ah, ne fais pas ton modeste, couillon. Une victoire est une victoire, point. Oui, mais on était au coude à coude sur l'ensemble de la course. Où est la 86? Elle est en panne? La dernière manche d'hier lui a fait très mal, j'ai abîmé le châssis. Je dois faire 100, elle est en réparation. Oh, attends, ça veut dire que t'es libre aujourd'hui? Oui. On va pouvoir aller courir ensemble alors, c'est génial. Et qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Ça vous branche, hein? Ah ouais, ça c'est une super bonne idée. Moi, si je peux apprendre quelque chose de Takumi, je suis preneur. Ah, tu m'étonnes. Et quitte à être entre célibataires, autant se faire plaisir et se défouler. On va s'éclater! Décidément, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ils vivent tous la même traversée du désert côté femme. Project D? Je ne pourrais pas te le dire. Mais peu importe le lieu et l'adversaire, ce qui est sûr, c'est que je me donnerai à fond. T'as trop la classe! Non, 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 ce n'est pas une question de classe, je t'assure. C'est pour moi que je le ferai. Pour moi. Et moi seul. Même si j'avance, j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Énormément de choses. Elle est réparée, ça y est. Bon. Ils l'ont fini hier soir. Tiens. J'y vais, à plus tard. Ok. Il pourra toujours dire ce qu'il veut. Il adore ça. Ça l'exalte de conduire cette voiture. Quelle que soit la technique de conduite acquise, quand on pense avoir atteint le niveau qui vous permet de rivaliser avec n'importe quel pilote, c'est très difficile de le garder. Il faut persévérer pour se hisser encore plus haut. Entretenir ce qu'on a intégré ne suffit pas. Se perfectionner, c'est ça le credo. Il faut que ça devienne une idée fixe. Tu auras noté que je me fais vieux. Je dois lutter pour maintenir mon niveau. Mais toi, tu es encore jeune. Tu as la force pour devenir encore meilleur. Même si c'est trois fois rien, si tu arrives à ressentir et à apprendre quelque chose en étant assis à mes côtés, alors je serai satisfait. Ce sera le signe que notre rencontre a eu un sens, et ça, c'est précieux. Je suis sûr qu'au fond, tu penses avoir perdu niveau technique de conduite, mais au final, c'est toi le gagnant et c'est ça qui compte. N'oublie pas ce que tu as vécu ce soir. Nous avons beaucoup de progrès à faire. Ça vaut aussi bien pour toi que pour l'ensemble de la Project D. Ryosuke a raison. Fujiwara, l'idéal que tu vises est encore bien loin. Pour le moment, contente-toi d'assimiler tout ce que tu peux. Continue à faire de ton mieux et ton jour viendra. Ouais. Ce n'est qu'un début. J'ai encore de nombreuses épreuves à surmonter. J'en viendrai à bout, l'une après l'autre, avec cette 86. Et avec la Project D.